Bonjour, bonjour. Bon, ben, j'espère que tout le monde va bien. Nous ici, ça va, à part le temps qui est pourri. Bon, ben, ça change un peu, hein. On a tout le temps le soleil. Mais pour une fois, samedi, dimanche pourri, quoi. Bon, bref, voilà. Donc, logiquement, vous avez dû avoir en image, puisque ça arrive après le montage. Donc, tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ce petit bijou. Alors moi je me suis bien amusée, il n'est pas fini de décorer. Hein. J'ai mis quelques petites babioles, mais c'est tout. Voilà ce que ça donne. Donc un petit album rigolo pour pouvoir mettre des petites photos. Donc moi ici j'ai fait, je vais vous montrer, si je trouve un petit bout. Ah, ça y est, hop là. Si je trouve un petit bout, donc vous voyez, pour mettre des photos. À chaque fois en bas, on a pour mettre des photos. Voilà. Bon, là, sur celui-là, ça s'est collé après. Parce que j'avais laissé ça et ça s'est collé. Donc, c'est pas grave, il y a ça. Hein. Voilà, pour tenir. Donc, on y va. Donc j'ai fait, donc comme vous voyez, c'est que des onglets en fait, hein, que des pages à onglets inversées, avec des petites et des grandes. Donc grand onglet, petit onglet, vous voyez, voilà. Alors après j'ai fait craft noir, voilà, j'ai interverti. Hein. Donc la déco, ben, j'ai fait un petit peu, on va dire, voilà. Quand on voit le titre, balade poétique, c'est un peu tout, quoi. Après la pluie, vient le beau temps, plein de choses à raconter quand on se promène dehors. Bon, voilà. Quand il fait beau, hein. Le retour des hirondelles. Voilà. Ici, par contre, il y a des petits tags assortis, bien sûr, hein, au papier, pour mettre des photos. Tout simplement, j'ai pas mis de... Je vais juste mettre des petites perles d'eau, je pense, c'est tout. Alors j'ai mis mes petites zigouigouettes, là, elles me plaisent bien. Même si elles sont roses, c'est pas grave. Voilà, donc je sais pas si je vous le montre comme ça ou comme ça, je sais pas. Bon, ben, je vais vous le montrer comme ça. Voilà, donc photo. Bon, je vais pas le faire tout le long, mais c'est tout le long. Hein. Voilà, photo. Vous voyez, escapade bucolique, c'était sympa, ouais, voilà, avec le petit tag. Alors pour la collection de papier, c'est Marble quelque chose. Je vais foutu vous la coquille, allez là. Voilà, c'est ce bloc d'action. Très difficile à caser parce que des papiers très compliqués. Voilà, donc ben, j'ai réussi à en caser. Hein, voilà. Donc, alors par contre, oui, dedans j'ai laissé mon... J'ai tout mis ensemble. Voilà. Donc en fait, il faut se faire un gabarit comme ça. Bon, celles qui l'ont pas, demandez-moi-le par email, je vous l'enverrai. Hein. Voilà, c'est hyper facile à faire, quoi, en fait. Donc voilà, j'ai marqué A. Vous voyez, ça c'est A. Donc dans ce sens-là. Et ça, c'est B. Donc il vient se positionner par-dessus. Et ensuite, j'ai pas fait de tuto parce que c'est simple, hein, à comprendre. Il faut juste coller certaines feuilles ensemble. Voilà. Quand vous voyez les deux traits, là, vous voyez, c'est hop, c'est différent. Donc, à 11,5, et celui-là, c'est à 10,4. Voilà. Et vous aurez votre petite tranche ici, là. Vous voyez, après, il suffit juste de coller, par exemple. Si je plie celui-là, et que je plie celui-là, vous allez bien voir que celui-ci correspond avec celui-là. Voilà.
Vous en avez un au milieu, je vous montre à peu près le système, au milieu, donc, qui fait pochette. Et c'est celui-là. Ok? Donc, logiquement, vous avez trois pochettes. Voilà, c'est pas plus compliqué. Il est hyper facile à faire. C'est pas très compliqué. Hein. Voilà. Donc, ici, ben, journée pique-nique, entre potes. Pareil, ici, pour la photo. Pareil, ici. Donc, tout le monde s'est bien amusé. C'est la saison des barbecues. Regardez la nature s'éveiller. En fait, c'est tout basé là-dessus. Je pense que les papiers passent bien. Ça choque pas trop. Voilà. Vous voyez, j'en ai laissé un. Donc, là, j'ai mis farniente. Voilà, coucou. Le doux parfum des fleurs. C'est vrai qu'au printemps, voilà. La nature revit. Reprend vie, pardon. Ah, ça a coupé un peu mon truc là. Voilà. Voyez, c'est assez sympa. Voilà. Hop, les vacances, c'est fait pour se reposer. Voilà. Et voilà, pour mettre les photos. Enfin, moi, franchement, je me suis régalée à le faire. Et à la fin, j'ai mis Instant Zen, nature, photo, souvenir. Voilà. Vous faites une petite sortie, vous avez quelques petites photos. C'est hyper sympa. Alors dedans, j'ai décoré tout simplement deux papillons, deux découpes, un die cut que j'avais. Là, j'ai coupé un die cut aussi. Voilà. Une petite balade poétique. Voilà. Tout simplement. Je trouve qu'il est très très joli. Moi, il me plaît. Voilà. Et c'est bien essentiel déjà, mais je me suis bien régalée à le faire. Voilà. Donc, si vous voulez les matrices comme ça, enfin les matrices, si on peut appeler ça des matrices, non, oui, c'est des matrices. C'est des choses à garder, ça, hein, bien sûr. Au moins, vous les avez, vous devez le refaire un jour, un tuto ou pas. Franchement, c'est très très pratique. Voilà. Donc c'est sur ce beau petit album que je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, à bientôt et gros bisous. Bye bye.